Bonjour à tous, très content de vous retrouver avec cette ambiance hivernale. Et oui, on est en plein hiver, hein, 21 décembre est passé et c'est la fin de 2017 et bientôt en 2018. Alors je me suis dit pourquoi ne pas faire une sorte pas de bêtisier parce que ça demande un peu plus de boulot et honnêtement, je n'ai pas regroupé beaucoup de choses, mais une série de vidéos avec les attaques marquantes de cette année avec les différentes compositions en HDV9 principalement. Puisque l'HDV10, HDV11, j'avais prévu de les faire, mais la mise à jour est tombée, elle change la méta du jeu. Donc, je sais pas, j'hésite. Alors, je vous laisse me dire est-ce que je fais ou non cette série pour les 10 et les 11, une sorte de souvenir d'avant mise à jour. Voilà, on va faire ça. Vous laissez dans les commentaires si vous voulez, oui ou non. Que je fasse une série HDV10, HDV11. Alors, pour HDV9, il y a de quoi faire. On est gâté en HDV9. Des compos incroyables de toutes sortes, et là je commence, c'est un peu paradoxal, c'est un peu contrasté avec mon ambiance hivernale. On va plutôt parler des attaques aériennes, molos, ballon, molos, normalement c'est de la lave, et puis bon c'est pas grave, les chauds et froids, ça peut donner quelque chose de bon on va dire. Voilà, en tout cas, je vous propose dans cette première vidéo HDV9 en aérien, il y aura d'autres séries, je vous dis pas quoi, mais vous verrez bientôt, avec 4 gameplay et 4 compos différentes sur des HDV9 au design évidemment différent et en GDC, et c'est toujours un régal de voir ces super gameplay. Bravo aux joueurs, bravo au clan, merci à vous pour votre confiance pour cette année. Allez go, c'est parti. Et c'est parti avec cette première attaque de Pac-Man du clan Vox Antica avec cette composition en 3 phases. Incroyable composition, moi je la maîtrise pas, je vais être honnête avec vous, mais l'avoir joué proprement, efficacement, ça fait plaisir aux yeux. Première phase avec un AQH. Donc cette composition a été largement utilisée par les joueurs du clan Vox Antica, donc qu'on ne présente plus, un très grand clan français de GDC, qui va consister, donc ici nous avons un village avec des antériennes qui sont plutôt alignées vers le nord du village, on va faire un AQH pour éliminer le maximum de bâtiments, ensuite deuxième phase avec l'envoi du roi, avec les bolis, le sort de sceau pour faire entrer le poison pour éliminer le château de clan, donc ça c'est la deuxième phase, le tout c'est que reine avec bouliste et roi se regroupent en face, ce qui augmente un peu leur force de frappe. On arrive ici à éliminer quand même 3 antériennes, rien qu'avec cette première phase, 56%, une étoile, très gros pourcentage. Et on va ensuite envoyer l'unique et le seul molos de cette composition avec le reste des ballons, plutôt les 10 ballons qu'il avait dans les camps. Et voilà, le molos va tanker sur les quelques défenses restantes et sur la dernière antérienne, ce qui va laisser derrière les ballons tranquilles. 1, 2, 3, 0, j'ai envie de dire, sur cette attaque vraiment ultra efficace, ultra rapide et qui fonctionne sur pas mal de villages. Bravo à Pac-Man, c'est un régal ce type de composition. Allez, deuxième attaque avec Mia du clan Vox Antica. Tout à l'heure, on a eu la douceur de l'AQH, on va dire, parce que c'est vraiment beau à bien diriger la reine. Et là, on est dans la brutalité, ou plutôt, on est plutôt dans le tank. Dans le tank, puisqu'il y a 3 golems dans cette compo, 6 sorciers, 1 molos, 11 ballons et des bouillies dans le château de clan. 3 golems qu'on va espacer, qu'on va déposer, espacer, on va déblayer avec les sorcières. Le but, évidemment, avec 3 golems, c'est quoi? C'est de tanker un maximum de bâtiments défensifs, comme on peut voir ici, avec les arcs X, la TDA, les TDS qui sont en train de focus. Le château de clan a été déclenché. Ensuite, on va envoyer la reine, le roi et les bolistes, sort de poison sur château de clan, faut pas oublier, avec le sort de sceau pour faire entrer les troupes à l'intérieur. Nous avons ici un finish qui va se faire évidemment avec molos et ballon. On va essayer d'éliminer au maximum les anti-aériennes. Donc là, 2 sont tombés, 2 autres sont dans la ligne de mire des boulistes qui malheureusement ne vont pas y arriver. Mais on va tout de même pouvoir recouvrir, si on peut dire, ça c'est pas français, hein, recouvrir un petit peu, ou rattraper, on va dire, son attaque. Encore une fois, énorme phase. Première phase, 42%, ce qui est pas mal. On envoie ensuite le molos le plus loin possible, ça. Le molos est toujours envoyé le plus loin possible pour déclencher les bombes, pour monopoliser un maximum de bâtiments défensifs. La dernière antérienne a été éliminée, ce qui fait que là, le molos est focus par l'arc X, par la Tesla, il est au niveau de la Tesla. Et derrière, évidemment, les ballons pour
gratter, éliminer les bâtiments défensifs un par un, tant que le Molosse est en train de tanker, et ça c'est top. Là le Molosse n'a pas pop, comme on peut voir peut-être ici avec la bombe aérienne qui est en train de le suivre derrière. Des fois c'est vraiment bien que vous ayez, voilà, et la pop, parce que les roquets de lave, mine de rien, quand ils sont nombreux comme ça, ils peuvent se disperser et éliminer, gratter les derniers bâtiments. Bravo à Mia pour cette attaque avec les 3 golems pour un tank. Un énorme P1, donc deux stratégies différentes. AQH, donc avec Florian qui laisse un petit message sur Facebook. Voilà. On enchaîne avec la troisième attaque de Richie's City de Vox Antica, encore avec une compo différente, variante. Cette fois-ci, nous avons 2 golems, 2 molosses et 13 ballons. Regardez, on a les 4 antériennes, elles sont alignées, mais tout de même, il attaque, hein, à l'ouest du village, un petit peu en diagonale, si on peut le dire, en largeur, peut-être horizontale, pour essayer en fait de rentrer, de faire tomber la reine, parce que la reine, si elle reste vivante, la reine adverse, c'est très dangereux pour les ballons en finish. Donc la P1 avec les golems, la reine, les boulistes rentrent bien à l'intérieur du village, 2 antériennes sont tombées, la 3e antérienne, elle va également tomber avec la reine, et là, il envoie le molosse le plus loin possible, les 2 molosses, et donc vous avez les ballons derrière qui vont suivre les 2 molosses. Finalement, un aurait pu suffire, hein. On a vu que par rapport à tout à l'heure, un seul golem aurait pu suffire pour tanker, et voire même moins, un seul molosse et plus de ballons. Donc voilà, c'est en fonction de peut-être que, et s'il dit que si on n'arrive pas à éliminer la reine, ou alors il reste 2 antériennes, 2 molosses étaient peut-être nécessaires. En tout cas, encore une fois, bravo pour cette attaque avec une stratégie. Dernière vidéo de cette, ou dernière attaque, pardon, de cette vidéo avec Nat69 des Jackies. Une composition sans tank, hein, il va plutôt faire un final avec les bébés drag pour orienter la reine, le roi et les bouillies. Donc un funnel, c'est-à-dire qu'on va déblayer sur les côtés, comme on peut le voir ici avec les bébés drag. Et ensuite, on voit entre au milieu, on va dire, de cette ligne virtuelle, si on peut dire, le roi, la reine et les boulistes, sorte de saut qui vont aller directement chercher la reine adverse. Il faut savoir ici qu'il est aidé car la présence d'un héros attire les troupes, donc vos troupes d'attaquants, ce qui va permettre leur entrée directement dans le village et éviter qu'ils fassent le tour. On gère le château de clan avec le sort de poison, la reine, et on va essayer d'éliminer un maximum de bâtiments défensifs et surtout plutôt les anti-aériennes. Donc là, ils ont fait tomber une première anti-aérienne. Il envoie maintenant son horloge anti-sens avec le premier molosse. On le voit toujours loin, les molosses derrière. 2-3 ballons en petit groupe. Deuxième molosse également envoyé. Et il va enchaîner avec l'envoi du troisième et dernier molosse avec les derniers ballons. Il en garde 6 qui va déposer à la fin. Regardez ici, il avait quand même 3 molosses. Il va quand même les perdre parce qu'il n'y avait que une seule antiaérienne qui est tombée. Donc 3 antiaériennes de boost qui fait, voilà, en moyenne, voilà, à peu près un molosse par antiaérienne, même s'il avait envoyé 2 sur la deuxième. Et l'enchaîne que l'on voit des autres ballons, les derniers, pour le finish. Et donc les 3 étoiles. Beaucoup, il y a quand même pas mal de roquettes de lave qui, comme je disais tout à l'heure, sont top pour éliminer les derniers bâtiments défensifs, les derniers bâtiments non défensifs, je vais y arriver, c'est un peu la fatigue, et les vacances arrivent, ça va faire du bien. Voilà, en tout cas, merci à tous les joueurs, à tous les clans pour leur confiance, nous avoir partagé ces galpets. Bah, dites-moi ce que vous en pensez de ces compositions, est-ce que vous les avez utilisées ou non, et laissez des commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série. Cette série, elle va être... Il y aura pas mal, j'espère pouvoir, ça prend du temps, j'espère pouvoir quand même vous proposer un maximum avec maximum de vidéos lors de cette période de vacances. Je vais essayer d'en travailler et de vous proposer une série HV9 avec du très lourd en attaque qui va arriver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Clash on !